Albert, bonjour. Bonjour. Donc, tu es l'un des anciens de Valorcine qui sait encore faire des hottes. Et tu vas nous montrer et tu vas nous expliquer comment on fait des hottes à Valorcine ou comment on les faisait, puisque c'est depuis des temps immémoriaux que l'on faisait ces hottes. Donc, oui, ben voilà. J'ai fait ma carrière, j'ai commencé cordonnier, mon papa était cordonnier, après j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai été maçon, le charpente, la construction de chalets, et puis avec l'âge, ben, je me suis occupé à faire ce qu'on faisait autrefois parce que c'était utile, on employait beaucoup, faire des hottes, mais c'est plutôt la hotte souvenir. La grande hotte, c'est il faut trop de bois maintenant, et puis ça sert à rien, on les emploie plus. Voilà, voilà. Alors pour faire une hotte, il faut commencer par faire le fond. Voilà. Et... Pour faire une hotte, il te faut combien de temps? Pour faire une hotte, il te faut combien de temps? Faut une semaine. Non, les petites hottes, là, elles sont vite faites. On va en faire une toute petite, là, pour voir comment ça se présente, quoi. Voilà, la rampante prête à travailler. Alors maintenant, pour continuer, je dois mettre un coin. Voilà. Donc je me trouve sur la même sur la même épaisseur que celle d'avant. Alors pour rattraper, je dois mettre un bout de rampante. Alors voilà. Et Bionnet Joseph Albert, ça fait B, du bonheur, les J, ça fait de la joie, et puis le A, ben, ça fait de l'amour.
On a besoin d'avoir des espaces un peu réduits comme ça pour travailler dans ouais, pour se concentrer sur ce qu'on fait. Parce que sinon l'imaginaire il s'en va dans tous les sens et des fois c'est pas très très bien quoi. Voilà mes petits déjeuners sur l'herbe comme je les appelle. Donc ça c'est vraiment que des petites choses de la nature. J'essaie toujours de me mettre dans la place des gens. Je dis moi c'est, je le vis depuis le départ quoi. J'ai ramassé mes capsules, j'ai ramassé mes cuillères, les petites assiettes, c'est le dessus des coquelicots. Enfin bon, moi j'ai toute cette histoire qui fait que j'ai fait une table de petit déjeuner. Mais quand on la voit finie, je ne sais pas la réception, enfin la perception de celui qui le découvre. C'est compliqué ça quand même. Hein. C'est compliqué. Mais à part de dire que c'est que de la nature, à part les petites serviettes que j'ai rajoutées, on le fait tout avec des herbes et voilà. Moi, je suis une argentière, moi, ouais. Argentière. Parce que mon père, il était douanier. Quand il est venu ici, il arrivait du Kera. Ça doit être son premier poste qu'il a fait ici. Et c'est comme ça qu'il a connu ma mère. Quand je suis revenu, avant de partir à l'armée, 6 mois avant, je crois, je travaillais à l'entreprise là, chez Dunan, la menuiserie. Chez Henri ? Ouais. À cette époque-là, c'était le père qui tenait la boîte. C'était Albert. Je ne l'ai pas connu. J'étais chez le père, oui. Avant de rentrer de l'armée, il m'a repris. Puis après, il y a eu le chantier, là, pour le barrage. Eh ben, j'ai été voir là-bas, je me suis fait embaucher au chantier, comme coffreur. Parce que là, ça valait le coup, ça payait. Hein. Les payes, c'était du simple au double. Alors, j'ai fait 3 ans, là, ben, le temps du chantier. Puis après, ben, il fallait trouver du boulot, hein. Parce que Valorcine, ils ne voulaient pas me rembaucher. Quand vous allez dans la montagne, à part la chasse, c'est les fleurs, c'est les couleurs, c'est le vent, c'est quoi? C'est tout, c'est la solitude un peu. Puis moi, j'allais beaucoup pour voir des bêtes. Ça, c'est... oui. D'ailleurs, pratiquement tous les jours, je vois des chamois ou des chevreuils. Maintenant, il y a des cerfs pas mal. Parce que j'aime bien les chercher, ça. Moi, c'est surtout les bêtes.